Bonjour à tous, de la musique, encore de la musique, toujours de la musique au programme de cette nouvelle carte blanche. Il y aura les Olivenstein, Cocagnier Delaunay et le groupe Supertramp, c'est-à-dire qu'il y en aura pour tous les goûts, pour tous les âges. Les Olivenstein pour les petits, Cocagnier Delaunay pour tout le monde et Supertramp peut-être pour les plus âgés. Les Olivenstein, ce sont quatre Rouennais qui ont pris le nom du célèbre docteur qui dirige la clinique de Marmottan, qui se préoccupe des toxicomanes. Alors Eric, je voudrais savoir d'abord pourquoi vous avez choisi ce nom-là, et si vous n'êtes pas en procès avec le docteur Olivenstein pour ça. On n'est pas en procès avec le docteur Olivenstein. Et pourquoi on a choisi ça? Parce que j'ai vu un concert de rock, le docteur. De docteur. Mm-hmm. Tout simplement. Il y a pas d'autre rapport. Si, j'avais vu aussi une émission de télé en train de déblatérer quelques bêtises sur le rock actuel. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir deux ou trois années de retard? Vous êtes né avec la vague, ce qu'on appelait punk, et puis finalement vous en êtes resté à ce stade-là, les cheveux courts, une certaine façon de s'habiller. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être un peu en retard maintenant? Ah non, pas du tout, oh là là, au contraire. Pour ce qui est du punk, il n'y a pas eu tellement de mouvements punk ou de new wave en France et tout, donc... C'est très actuel ici. Mais c'est un peu artificiel peut-être, non? C'est un costume que vous portez? Ah, je m'habille comme ça, pas seulement pour la télé, hein, tout le temps. Mais le choix de ces vêtements, c'est quand même significatif? Ben, je sais pas, à vrai dire, je me suis pas posé la question, je m'habille comme ça, c'est tout. On raconte que les Olivenstein balançaient des bouts de viande dans le public pendant les concerts, c'est vrai? Oui. Vous trouvez ça drôle? Les gens aiment bien, oui. Les gens aiment bien? Les gens aiment bien, oui. Ou vous êtes peut-être végétarien? Non, pas du tout, mais là on espère être assez riche pour pouvoir balancer du caviar sur les gens maintenant. On dit aussi que vous demandez 1 million par concert, c'est vrai? On aimerait bien que quelqu'un nous propose 1 million pour un concert, ouais, c'est sûr. Et je crois qu'il ne faut pas vous faire d'idée quand même. Ah, on espère. Qu'est-ce que vous allez jouer, la euthanasie? C'est vous qui avez écrit les, ouais, les paroles. Est-ce qu'il faut prendre ça au sérieux? Bah, c'est une solution, hein, l'euthanasie, pour pas mal de monde. D'accord, c'est, ça n'engage que vous, bien entendu. On écoute, ouais, les Olivenstein, euthanasie. Voilà, c'était les Olivenstein.